On y va. Donc les gars, on fait le show. Je suis serré les gars. Non, non, faut que vraiment t'ailles. Parce qu'en fait, on est vraiment serré. On est vraiment serré. Genre, mais en fait, là, il te cache dans le vide. Il est là, la petite Matisse. Et comme ça, faut tu te mets là. Tu es là. Serré toi aussi, non? Pourquoi t'en plus jeune? C'est lui, hein. C'est mignon, non? Ah, c'est bien. Ok. Mais ça fait mignon, non? Yo tout le monde, c'est Dorm. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Brother Tag. 6 mois après. Le dernier, c'était en juin, je crois. On était dehors, il faisait beau. C'était l'époque de l'été. Du coup, là, nous sommes en hiver. Il fait très froid. Et du coup, j'ai réuni LP, Karl, moi, Flavien et Matisse. Et du coup, bah, cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, bah, on n'a pas trop montré sur les réseaux et tout. Mais il y a eu beaucoup d'updates. Vous nous avez suivi cet été avec les épisodes à l'acrobranche, au karting. Donc, on était beaucoup accompagnés, l'anniversaire et tout ça. Aujourd'hui, ça a changé, beaucoup de choses ont changé et donc du coup on se devait de faire une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez un nouveau Brother Tag et si vous êtes content de nous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à commenter un petit mot gentil. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo. Là, il m'a lu les questions tout à l'heure, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, il est sélectionné. Donc du coup les gars, on a fait comme d'habitude, je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser des questions. J'en ai eu plus de 500, donc les gars vous étiez très inspirés. Petite page promo, abonnez-vous à mon Instagram parce que bah, mon Instagram il est stylé. Voilà, je vous mettrai cela de mes frères en barre d'infos. Donc du coup, il y a des questions pour tout le monde, hein. Pour Flavien, pour même les A, pour, y en a pour, même pour Bradley, il y en a pour tous les coups. Donc du coup, derrière la caméra, il y a Bradley et Léa. Donc voilà, c'est reçu. Est-ce que vous aurez aimé avoir une sœur? Ouais. Ouais. Unanime. Oh non. Ah non, moi j'aurais pas aimé avoir une sœur. J'aurais bien voulu savoir à quoi ça, ça peut ressembler une. Comme tu aurais aimé avoir une sœur? Non, franchement, moi ça me goûte du bon. Pourquoi? Petite ou grande? Petite et grande, c'est bien. Ah, une petite sœur. Non, ouais, une petite sœur. C'est chiant, ouais, vraiment. Une grande sœur, vas-y, elle est trop faire la grande pour elle. Mais pas trop petite comme ça, bon, enfin bref. Ah, je veux t'attendre pourquoi? J'avais des cheveux ou quoi? Moi j'étais un ouf toi. Salut les gars, on parle de gérer ses copines parce que j'ai sa soeur. Oh, mais oh, bizarre, lui. Oh, ouais. C'est un mec bizarre. Bref, question pour LP. LP, comment ça va avec Mathilde? Le fait qu'elle ait déménagé dans le sud, comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. D'accord, on va tourner la cuillère. Elle fait ses études, je fais les miennes. Non, c'est pas la question de base. Comment se passent ses études? Comment ça se passe entre vous deux? Bah. Parle mon pote. Mais sérieux lui? Parle, oui. Bah, c'est vrai, je ma belle-sœur. Bah, chacun prend son chemin, quoi. Enfin. Voilà, dit les termes. Dire les termes. Les termes. Les termes. Bah, bon, on est plus ensemble parce que bon. Ouais, non, bah c'était cool, mais bon, malheureusement, on n'a pas tenu la distance. Et quand même, rester en contact, on garde quand même une bonne relation, quoi. Ah. Mais on est plus ensemble. Ok. Mentir. Bref. Ok. Karl, t'as des projets avec Anaël? Ah, voilà. Il est terrible. Bah... C'est des snipers, il est bien. Bah. Oh, dis les termes. Bah. Bah, malheureusement, on n'est plus ensemble. On est séparés en bon terme, toujours en bon terme. Non, mais lui, on sait les raisons. Parce qu'il y a la distance. Toi, c'est quoi les raisons? Ça peut donner sa mort. Bah, non, mais si, bah, je suis désolé. Tu peux pas te montrer l'anniversaire. Elle est là, t'as fait un anniversaire de malade, ça et tout. Là, dis-nous. Ouais, peut-être qu'il y a plus d'amour, plus de la distance, que les études. Moi, j'ai ouï dire que c'est les études. Que genre, tu voulais trop s'en. Moi, j'ai ouï dire autre chose. Non, ça s'est arrêté naturellement. Ok. Problème. D'accord, ok. Edouard, c'est quand que tu emménages seul? Bah, figurez-vous que bah, vous avez vu que je faisais des démarches pour trouver un appartement. Donc là, j'attends des réponses. J'ai pas encore de réponse, donc je ne sais pas. Mais c'est en cours. Je pense que d'ici le mois prochain, je ne serai plus chez moi. C'est un sujet qui me met beaucoup dans l'émotion. Je suis très émotionnel quand j'en parle. Très compliqué à gérer mes émotions. Mais c'est pour bientôt. J'espère que j'aurai des réponses positives. J'espère qu'on aura que j'aurai des réponses positives. On espère. On espère. Flavien, vis-tu bien ta nouvelle vie avec Léa? Je kiffe, j'adore, c'est trop bien. Qu'est-ce qui. C'est quoi les différences? J'avoue, c'est trop bien. L'autre fois, il faisait des raclettes. On est arrivé. Tranquille. On a pu manger. Tranquille. Sur mon Instagram, vous avez bien vu. Ouais. C'était pas grave. J'ai kiffé en plus. C'était pas grave. On a goûté un nouveau plat. Non, en fait, un tiramito. Un tiramito. Parle de cet art culinaire. C'était une pâtisserie un peu étrange, mais. Un tiramisu un peu trop liquide. Oui, parce qu'en fait, elle a des spécialités, Léa, cuisine et tout ça. Et... Spécialité, non. Particulière. Ouais. Unique. Non, mais des fois, on rate, ça arrive. Arrive un peu. Si ton frère trompe sa meuf, est-ce que tu balances? C'est une question pour qui? C'est pour non, c'est une question de générale. Si vous avez un frère qui a trompé sa copine, est-ce que vous allez balancer?
Bah en fait moi je me lancerai pas vu que ça sera lui de dire, c'est pas moi de mêler. Non, c'est pas moi de mon mêler en fait. Même si je sais, hein. Certes c'est pas bien, mais c'est pas moi de mon mêler. Moi j'essaie d'en parler, de raisonner, puis après il fait. C'est pas à moi de prendre la décision, je fais rien. Là, tu fais je me mets pas dans le coup. Toi si tu fais quoi? Moi je dis rien du tout. Si moi je trompe ma meuf, tu fais quoi genre? Je vais rien dire. Quelqu'un a dit il faut pas se mêler des affaires de deux personnes qui sont venues, un truc comme ça. Mais vous, ça vous est jamais arrivé de tromper vos copines et tout ça genre? Jamais. Non. Comme on a dit, on reste droit, fidèle, quand mes parents nous ont appris. Pas trop mondé, on va dire. Ok, d'accord. C'est quoi ton problème? Dans ta dernière vidéo, tu as dit que t'allais bientôt partir. Est-ce que tes frères sont tristes? Est-ce que vous êtes tristes que je parte? Pas. Vas-y, on commence par toi avec lui, en vrai. Bah, en vrai, ça veut dire que j'irai chercher Mathis quasiment tous les jours à 16h ou j'irai le déposer le matin. Non, mais on parle pas de ça, on parle de émotionnellement. Qu'est-ce que ça vous fait que je parte? Je vais commencer. Non, ça va faire un vide, je pense. Moi pour moi ça va faire un bon petit vide quand même, enfin un bon grand vide, parce qu'on va dire que clairement il nous a encore plus unifié avec sa chaîne YouTube. Et en partant bah c'est pas comme s'il allait s'arrêter, mais c'est que en fait, c'est plus quand on tourne, c'est plus il arrive ici, c'est qu'il tourne, il se cherche à l'aider. En fait je suis en train de parler, t'as vu, t'as cherché un bon. Non, on est dans une grosse émotion en fait. Vous allez un peu perdre un peu votre star et en fait c'est un peu... Ok c'est bon, non mais vous allez un peu perdre votre star et je pense que... Comment bah c'est compliqué de perdre une célébrité, maintenant vous allez vous rentrer en année. Mathis, t'en penses quoi du départ de Charlie Edouard? Et triste en fait. Des mots intenses. J'avais envie de dire un truc, mais je sais plus, c'était quoi. Non, il a un cœur de pierre. Cœur de pierre, mais parce qu'il pleure pas, n'importe quoi. Mais j'ai pas dit qu'il pleure, quoi. C'est bien. Une question pour Flavien, Elia. Vous êtes pour un enfant ou pas maintenant? Je vous kiffe. Faut qu'on parle à Dubaï d'abord. Donc en gros, la question c'est de savoir si vous êtes pour un enfant. Ça, maintenant. Ma question là. Ou plus tard, non. Ah, si, il y aura des enfants, de toute façon. Ouais, moi j'ai envie d'être tonton, quoi. Ah, mais bon, après. Tu prends ton dès qu'on part à Dubaï, on met la première. Ah? À Dubaï. Ah, attends, de courant toi? Oui, mais... Ah ok, bon voilà. Inch'Allah, comme on dit, c'est le mec tout en fait. Et c'est quand tout bas, et c'est quand tout... Ça, on passe. Est-ce qu'il y a des derniers dramas croustillants? Est-ce qu'il y a des choses ces derniers jours? Bah moi j'ai entendu Weedy le week-end dernier. Quoi? La République en fait. Ah. Le Luptiek. Parce que je comprenais pas, après j'ai compris. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi je sais pas? Bah tu vois, concerne. Toi ça te concerne? Je savais pas. En tout cas, moi je sais que... Non mais t'as annoncé donc vas-y. Non, moi je sais que tu t'es retrouvé à République avec 100 moines, tu nous as menti et je t'ai grillé avec l'application. Non mais c'est vrai, tu sais que... Mais non mais c'est fini, à un moment donné, moi, je sais pas, moi, ça fait 2 mois frère. Okay. Ça fait 2 secondes. Alors en plus moi mais qui va avoir quoi? Mais toi, t'es quoi? T'es comment toi? Moi, je fais rien fait, moi. Mais toi, en fait, c'est toi ton gars. Mais toi, t'étais à Marseille, non? J'ai profité de Marseille, c'est ma ville de cœur. T'as fait quoi, Marseille? T'as fait ça? Et bah, pour un petit. Là, il est parti à Marseille, il n'a mis aucune story. On ne sait pas avec qui il est parti, on lui a rien demandé, on ne sait pas. Tu faisais quoi, en fait? Mais quand il est parti en vacances, je sais pas, il était parti. Je me promenais à Marseille, pour toi. Mais avec qui, genre? Comment? Je suis obligé d'être avec quelqu'un. Attends, t'as dit. Il était pas tout seul. Pour info, t'as dit tu jures que là t'es tout seul? Je jure que j'étais tout seul. Non, toi tu penses que tu m'as menti. Genre le mec il me dit quoi, je vais en soirée et tout. Je me dis ok, je vais prendre une trousse de toilette. Je fais le bête, je fais le mec débile et tout ça. Le soir, je vois sur Zenly, parce qu'on a une application en fait où je sais où mes frères sont à n'importe quelle heure. Je vois il a République. Je vois il a que d'un hôtel, je tape le nom de l'hôtel. On l'appelle, Canard il m'a raccroché 3 fois au nez. Il me dit non mais là c'est un MS1. Je dis, en fait, tu m'as menti pour aller là-bas. En fait, tu m'as menti. Et toi, Louis-Philippe, normalement pas, tu dis que t'es tout seul à Marseille. Je sais que t'es pas tout seul en fait. Après, je vais à Lyon, je suis tout seul. Je vais à Bordeaux, je suis tout seul. Dans l'insta de qui? De la fais voir, parce que j'ai envie d'avoir un écran. Fais voir. Si, il le montre vraiment qui c'est vraiment. Vas-y. T'as chaud, ça doit. Regarde, non, mais lui, très joli. Non mais il m'a demandé donc je lui ai montré un profil lambda. T'es parti voir à Marseille? Mais je suis parti voir personne, c'est un mytho. Franchement elle est jolie. Bah ouais. Mais c'est pas elle, parce que j'étais tout seul. Où est-ce qu'on peut date Karl? Enfin déjà est-ce que tu es apte à passer à autre chose ou pour l'instant c'est niette genre? Non ça va aller. Quels sont vos objectifs à atteindre dans 5 ans? Et le plus tard c'est quoi dans 5 ans tu vas commencer? 5 ans, j'aurais 28 ans. Ouais j'espère au moins avoir un gosse. À 28 ans t'as envie d'avoir un gosse? Ouais. Ok. Si la situation le permet, bien sûr. Toi, tu crois ça... Avoir un gosse, c'est facile, hein? Ah, t'inquiète pas, gros, c'est plus facile. T'inquiète pas, c'est plus facile. Je te rends compte, mais pour avoir un gosse, c'est facile. On fait comment? J'ai pas envie de dire. Tu vas à Carrefour, tu prends une graine. Si.
aussi. Rien ne tourne au sol surtout. Tu mets ça dans un pot avec de la terre. Tu mets ça dans le nombril. Je sais. Comment tu sais? C'est dégueu. Pourquoi t'as pas posté de vidéo pendant un bon moment? Parce qu'en fait, tout simplement, j'étais sur un autre truc. Là, je suis chercher mon appartement et c'est compliqué de chercher un appartement en temps de Covid. Donc là, je cherche. En plus, moi, je veux vraiment un truc stylé, grand et tout. Parce que bah, j'ai besoin de place et tout pour tous mes beaux vêtements, mes belles chaussures et tout. Du coup, bah voilà. C'est quoi le problème? On laisse tomber, vas-y. Bah, c'est quoi les problèmes? Bah, je sais pas, toi, moi, je pensais que t'allais dire, ouais, pour mon secret. Les éclairages. Ah, d'accord, pas pour moi. Quel secret? Ou quoi pour moi alors? Quel secret? Secret de Guiva. Ah, mais là, il y a encore le somme de la République. Là. Mais toi, il n'y a pas de secret, tout le monde connaît ma vie, il n'y a pas de secret. Hein. Que celui qui a un secret à dévoiler sur mon WC, il lève la main. Oui, bah alors dévoile. C'est quoi votre série ou film préféré et pourquoi? Titanic. Moi je trouve ça ringard, tu sais. Vous avez même pas regardé la merde. Ringard. À cause de nous? Oui. Comment ça, à cause de nous? C'est trop nul. C'est de la merde. C'est nul. C'est pour les meufs. C'est la Titanic. Moi, pour moi, mon meilleur film c'est Nemo. Moi j'aime beaucoup Nemo, ce dessin animé. C'est vraiment. C'est pas Desperados, il faut. Desperados, c'est ma série préférée. Ah, j'avoue. Desperados, c'est vraiment la série. Au moins 10 fois. Lui qui dit Desperados, c'est pour les filles, Bradley. Non, c'est bien Desperados. Voilà, merci, merci. Le, il veut trop faire le mec, ouais, c'est pour les filles, c'est pour les mecs. Moi, je regarde que Vicky. Qui est en gros l'artiste que vous écoutez le plus? Moi, Aya Nakamura. Playboy Cartier. Quoi? Playboy Cartier, moi. Pourquoi tu rigoles? Ouais, sans purée. Aya Nakamura. Je vais interroger Spotify. Et toi? Vous allez dire, ouais, c'est ringard. Non, on va dire c'est ringard, non? C'est toi qui es étonnant. Vous allez dire, c'est ringard. Mais dis-nous en fait. Ok, c'est. Kuba. Bah c'est bien Kobaladé. C'est Kobaladé, c'est toi, regarde. Il est bien Kobaladé. C'est très bien Kobaladé, hein. C'est ouais, très c'est bien. Bien. Qui est le plus fuckboy avec les meufs de vous tous? Carl. Carl. Le plus quoi? Fuckboy. Fuckboy, c'est genre un gars qui fait souffrir les filles, genre. C'est Matisse et qui enchaîne. Ok. Toujours la langue tirée. Ah, on a la même pas sur là, mais ton frère il a pas de t-shirt quoi, je suis là. Est-ce qu'on peut passer à la question là? Vous savez qu'on me l'a dit aussi ça. Si vous devez choisir un colocataire entre vos frères, lequel ce seriez? Lequel ce seriez? Lequel ce serait? Lequel ce serait? Parce que j'ai dit. Si tu devais prendre un colocataire, lequel ce sera? Lequel tu voudras? Ce sera qui au pire, voilà. Lequel ce sera? LP. Ok. Oh. Voilà, c'est, tu pourrais vivre avec plus qui, genre? Moi? Oui. Matisse. Toi, Yara? Non, dis Matisse. LP, parce qu'on est dans les jeux vidéo et tout. Moi, vraiment, LP aussi. Waouh, j'ai un bon coloc. Je pense que LP et non, moi je lui parle pas de ma fille. Lui. Ah, je me parlais de moi. Oh, wesh. C'est mon son, genre. Tu cherchais des escortes. Tu mens. Oui, c'est lui. J'avoue, j'étais sur Tinder. Par contre, lui là. Donc vous allez en vacances pour trouver des escortes. Moi j'étais sur Tinder, c'est un mytho. Moi vous faites genre, en fait c'est pour ça que vous faites. J'étais sur Tinder, moi j'étais sur Tinder. Par contre, oui, Tinder c'est bon, tranquille. Tinder tranquille gros. Par contre toi là. Non, Bradley. Il était plus à fond pour moi celui-là. Qu'est-ce que c'est pour toi gros? Putain de Flavien, à quand t'as demandé en mariage pour Léa? De quoi? À quand t'as demandé en mariage pour Léa? Ça, c'est quoi comme question ça? En fait, les gens ils veulent que vous vous remariez, ça va être dans 10 ans, il va se marier tout de suite. Non, mais en fait, ça va arriver. Voilà, ça va arriver, on peut pas prévoir, mais c'est bien, en tout cas, vous êtes bienveillant, vous êtes gentil, et ça j'apprécie. Ouais, c'est cool, ça va arriver. Moi, vu comme un poucave, moi maintenant je poucave aussi. Poucave? Ici, ils ont cramé tes messages que t'as envoyé une meuf. On en a parlé hier soir en fait. Oh les bâtards! De quoi? Ils ont pas même chose dans la tablette. Qu'est-ce qu'il t'a dit hier là dans la cuisine? Oh, il force. Oui. Non, il a avoué, il a dit que oui, il avait vu quelqu'un, mais qu'il avait rien fait. Ah ouais? Hmm? Oui, il s'est rapassé. Vous lui avez dit le blaze de la personne? Mais quoi, moi tu fais ça, Bradley? C'est vraiment horrible. Ah ouais? Je m'avais pas tout dit alors. Mais ouais, je sais pas, c'est vraiment cool. Toi, lâche compter si tu penses que là t'as l'air. Moi, je sais pas, on m'appelle, on me dit LP, à ce qu'il paraît. Oh putain. Pourquoi tu fais ça, moi, Laurent? Attends, si j'ai envie d'écouter ce qu'il dit là. Ouais, LP, qu'est-ce qu'il paraît? Il parle avec une meuf, une ex à lui, qu'ils ont fricoté. Tu dis n'importe quoi, moi j'ai jamais dit ça. C'est Carl Henry m'a montré la tablette, j'ai vu des messages et tout, mais moi j'en ai rien. Moi, avec ton téléphone, il dit quoi, Charlie? Regarde pas. Charlie, il a pris la screen. C'est faux. Ce téléphone? C'est trop faux, mais c'est tellement faux, c'est pas vrai. Ah, bizarrement, il savait pas. Alors que je vais lui dire, je vais pas tout dire. Lui dis, regarde pas, c'était pas le problème. Mais non, on lui a dit hier, tu fais semblant, on lui a dit dans la cuisine.
hier on lui a dit dans la cuisine, Matisse, un petit rap. Tu sais, les gens, tu sais qu'ils adorent quand tu rappes. Matisse. Oh, c'est moi, c'est moi. Il y a un problème. Oh, wow. Ok. Ok. Tu peux me baigner ici. Ok. Ok. J'ai un rap pour me demander. Je peux le dire. Ok. Je suis pas un poussin, je suis un poulet. Et parce que je. Moi, j'ai pas de tristesse. Je suis toujours là dans la tête. Avec des billets. Billets violets, billets verts. On est là toujours. Après, si t'as un problème, tu peux me le dire. Tu vas rien faire parce que je suis trop bien. Là. Dans mon école, y'a mon meilleur ami. Je l'ai tapé, tabassé, il est tombé. Il a commencé à me poursuivre. Et en plus, je l'ai tapé. Je lui ai mis une gifle, il est tombé. Donc après, j'ai rien dit. Ta dette ça, négro. Chacun ta dette ça. Voilà ta dette ça. Par contre, c'est vrai. Ouais. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. J'ai pas inventé hein, c'était vraiment vrai. Ah, c'est vraiment une histoire vraie. C'est bien 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 violet. Bien 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 violet. Non, pas vraiment, ça c'est pas vrai, mais mon pote ouais. Donc voilà, c'était la dernière vidéo de l'année entre frères, le dernier brother tag de l'année. Mettez un gros pouce bleu si vous avez grave rigolé. Nous on a pu éclaircir quelques situations. Vous savez que maintenant mes frères sont célibataires, vous pouvez aller dans leur DM. Que je voulais vous dire, en tout cas merci parce que dès que les brother tags ils sortent, vous êtes des milliers à aller les voir. À partager partout sur Twitter, Instagram et tout, ça me fait super plaisir. Je pense que l'année 2021 va être remplie de surprises pour ma part et plein de bonnes choses vont arriver. En tout cas, passez une bonne fête, restez chez vous parce qu'il y a le Covid dehors. Je fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Très bientôt! Ciao! Bang. Je vais à l'école, hey, ouais, je rappe, mais t'as cru, je faisais rien, mais je fais pas mes devoirs. T'as cru, moi j'étais quoi? Un petit poussin.